Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia número 7 de este periodo de sesiones. Quiero empezar por agradecer la presencia aquí de peticionarios y de representantes del Estado. El tema de la audiencia es situación de las personas privadas de libertad en Haití. Ha sido una audiencia solicitada por el Le Juzgado Nacional de Defensa de Droits Humains de Haití. Y la mecánica es, de la audiencia es conceder los primeros 15 minutos a los peticionarios, a la sociedad civil. Luego concedemos 15 minutos al Estado para sus comentarios. Posteriormente, la comisión formulará intervenciones, preguntas por otros 15 minutos para poder regresar con los peticionarios 7 minutos para últimos comentarios. Y de la misma manera, 7 minutos para el Estado. Quiero, antes de dar la palabra a la sociedad civil, presentar a los miembros del presidium. En primer lugar, me da mucho gusto presentar a la comisionada Antonia Urrejola. Igualmente a la doctora Soledad García Muñoz, que es relatora especial para Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y también a la señora Maricel Blanchard, jefa de gabinete del secretario ejecutivo. Se incorporará durante el transcurso de esta audiencia la comisionada Flavia Piovesan. Voy a pedir su comprensión con el manejo estricto del tiempo y yo iré indicando según este vaya avanzando. Entonces, sin más, le damos la palabra a la sociedad civil hasta por 15 minutos. Usabel Apagol, madame. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, remercie la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, de lui avoir octroyé cette audience pour présenter les conditions générales de vie auxquelles sont soumises en Haïti les personnes privées de liberté. Le RNDDH n'a jamais cessé d'attirer l'attention des autorités sur les différents problèmes de l'espace carcéral haïtien. Cependant, les recommandations du RNDDH n'ont jamais été prises en compte, d'où l'aggravation de la situation. Aujourd'hui, 37% des bâtiments accueillant les prisons, dont certaines existent depuis le temps de la colonie, sont vétustes et mettent en danger la vie des détenus qui y sont incarcérés et des agents pénitentiaires qui y sont affectés. L'espace carcéral haïtien a une capacité d'accueil maximale de 3 000 prisonniers. Au 23 octobre 2018, il y accueille 11 839 personnes, soit près de 4 fois plus que sa capacité. Ce manque d'espace porte les prisonniers à vivre dans une grande promiscuité et contrairement aux dispositions de l'article 5 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme qui porte sur la séparation des condamnés et des personnes en attente de jugement, et contrairement aussi au numéro 19 des principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans l'Amérique du 13 mars 2008 élaboré et publié par la CIDH, les détenus haïtiens ne sont pas séparés sur la base de leur âge, de l'infraction reprochée ou de leur statut juridique. Monsieur le Président, les lits et matelas ne sont pas suffisants pour les prisonniers en Haïti. Conséquemment, des milliers de prisonniers dorment à même le sol, sur des morceaux de carton ou de tissu apportés par des membres de leur famille. Les toilettes des prisons sont sales, nauséabondes et mal entretenues. De même, les conditions de préparation de la nourriture des prisonniers sont questionnables. Le ratio alimentaire tel que prévu par le seul nutritionniste du système carcéral haïtien est rarement respecté. Cette situation expose les prisonniers à un déséquilibre alimentaire avec une prédominance du riz qui est offert presque tous les jours et à la malnutrition. Généralement, les prisons haïtiennes ne disposent pas d'infirmerie car les espaces créés à cet effet ne sont pas équipés. Pour une population carcérale de 11 839 personnes, la prison ne dispose que de 23 médecins et de 62 infirmières. Dans 90% des cas,
Les médicaments sont administrés aux détenus seulement sur diagnostic d'auscultation, car les examens médicaux, dont la mammographie, la sonographie, les scanners, sont à la charge des parents des détenus et ne sont que rarement réalisés. De même, les prescriptions de médicaments doivent être exécutées par les parents des détenus. Sans programme de formation, sans activité récréative, la majorité des détenus sont confinés dans leurs cellules pendant leur temps de détention et ne sortent que pour des besoins physiologiques et leurs ablutions. Ces conditions sont la cause du décès de plusieurs détenus. Par exemple, de janvier à octobre 2018, 118 détenus ont perdu la vie en prison, soit en moyenne 12 détenus par mois, ce que le RNDDH estime comme étant grave. Aujourd'hui en Haïti, la détention préventive arbitraire est devenue la règle. Toute personne arrêtée, peu importe l'infraction reprochée, est systématiquement incarcérée. Et le temps moyen de détention avant jugement oscille entre 3 et 5 ans. La population carcérale estimée donc à 11 839 détenus compte 358 femmes et 17 filles. Parmi ces détenus, 8 886, qui représentent 75%, sont en attente de jugement et seulement un peu plus de 24% sont déjà condamnés. Pourtant, la loi haïtienne est claire, dès le quatrième mois, la détention préventive devient illégale et arbitraire. Cette situation qui veut que la détention préventive illégale et arbitraire devienne la règle dans le pays ne date pas d'hier. Les données des 11 dernières années permettent au RNDDH d'affirmer que plus de 70% de la population carcérale a toujours été en attente de jugement. Certains prisonniers sont encore en situation de détention préventive, alors qu'une ordonnance a déjà été émise en leur faveur depuis plusieurs années. D'autres prisonniers, incarcérés depuis plus de 10 ans, attendent les conclusions des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes à leur encontre, soit pour être jugés, soit pour être libérés. En ce sens, en octobre 2018, le RNDDH a recensé le cas de 814 détenus qui sont incarcérés entre 2004 et 2016 et qui attendent encore d'être jugés. Or, l'article 24 de la Déclaration américaine des droits de l'homme stipule clairement que tout individu qui a été privé de sa liberté a droit à ce que le juge vérifie immédiatement la légalité de cette mesure et à être jugé sans retard ou, dans le cas contraire, à être mis en liberté. Toujours pour cette même période, dans seulement 6 prisons, le RNDDH a recensé le cas de 236 détenus qui ont été condamnés, mais refoulés en prison sans dispositif de jugement. Ils sont alors traités comme étant en détention préventive, car la prison ne dispose pas du titre de condamnation obligatoire sur la base duquel ces détenus condamnés pourraient être libérés à l'expiration de leur peine. Enfin, il convient de souligner que 3 postes de police composés de cellules exiguës, non éclairées, sales, nauséabondes, servent aujourd'hui de prison. Pour les personnes qui y sont incarcérées, les conditions de détention sont pires qu'en prison. Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui, les conditions générales de détention en Haïti constituent des actes de torture, de traitement cruel, inhumain et dégradant. Additionné à cela, une grande incertitude plane toujours sur le traitement judiciaire des dossiers des détenus. Conséquemment, le RNDDH estime que les autorités étatiques ne sont la volonté politique d'améliorer les conditions d'incarcération et de diminuer la détention préventive illégale et arbitraire jusqu'à son éradication. La Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme dispose que tout individu a droit à un traitement humain au cours de sa détention. De plus, selon les principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans l'Amérique, Haïti, État membre de l'OEA, est considéré comme le garant des personnes privées de liberté. À ce titre, Haïti doit assurer aux détenus des conditions minimales compatibles avec leur dignité et les protéger contre tout type de privation illégale et arbitraire de liberté. Fort de tout ce qui précède, le RNDDH en appelle de tous ses voeux à une visite in loco du rapporteur sur les personnes en détention dans le but d'exiger aux autorités haïtiennes de se pencher sérieusement sur la situation carcérale haïtienne. Merci.
Muchas gracias y muchas gracias sobre todo por el manejo eficiente del tiempo. Le vamos a dar la palabra ahora a la representación del Estado de Haití. Quisiera pedirle que al presentarse nos digan su nombre y la dependencia, la oficina del gobierno que representa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Commissaire rapporteur sur Haïti, Monsieur le Commissaire sur les personnes privées de liberté, Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat de la CIDH, Madame, Monsieur les membres du RNDDH, je voudrais tout d'abord, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, du Premier ministre Jean-Henri Seya, en mon nom personnel, présenter à Madame la Présidente de la CIDH qui n'est pas là, les chaleureuses félicitations du gouvernement d'Haïti de voir une femme de la Caraïbe présider ce prestigieux organe de notre région des Amériques qu'est le CIDH. C'est donc pour Haïti un motif de grande fierté. Monsieur le Président, je voudrais également saluer l'initiative de la CIDH d'avoir convoqué cette audience sur la problématique des personnes privées de liberté sur demande du RNDDH. C'est donc pour moi l'occasion de saluer le travail du RNDDH en Haïti qui aide à faire le monitoring de la question des droits de l'homme dans le pays. La problématique des droits de l'homme, notamment la question de la situation des personnes privées de liberté, occupe une place de choix dans les grands axes programmatiques du gouvernement. Ma présence ici, comme ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits humains et de la lutte contre la pauvreté extrême, ainsi que d'autres membres de la délégation, dont l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité, Maître Camille Leblanc, témoigne de cette volonté du gouvernement. Monsieur le Président, la question des personnes privées de liberté en général et de la détention préventive prolongée en particulier nous préoccupe tous dans la région. Elle a toujours été au centre des préoccupations de tous les gouvernements qui ont succédé au pouvoir en Haïti. Elle ne date pas d'aujourd'hui. Il n'est pas de mon intention de l'aborder dans ses aspects techniques, ce que d'autres membres de la délégation feront tout au cours de cet échange. L'objet de mes propos ici, c'est de rassurer les membres de la CIDH de la volonté du gouvernement haïtien de travailler avec tous les acteurs nationaux, régionaux et internationaux en vue de trouver des solutions durables à cette question. Et avec votre permission, Monsieur le Président, je passe la parole aux membres de la délégation pour les détails plus approfondis. Nous aurons à écouter dans un premier temps l'ancien ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Camille Leblanc, qui est actuellement conseiller spécial du Premier ministre, qui sera suivi du coordonnateur de l'unité juridique du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Jean Faliès Bazelet. Monsieur le Président et membre du bureau de la CIDH, puisse cette audience nous permettre de dégager des pistes de solutions permettant de faire face à ce problème qui a trop duré dans le pays. Ainsi, Maître Leblanc va continuer d'abord pour parler de la détention préventive prolongée. Sachant que cette lutte contre la détention préventive prolongée, le gouvernement a pris des mesures tant législative qu'administrative. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.
Monsieur le Président, et nous avons écouté avec attention l'exposé fait par l'Organisation de la société civile sur la question de la prison préventive et des situations graves qui se passent dans les centres de détention. Qu'il me soit permis de relever que certaines remarques ne sont pas justifiées. Nous n'avons pas, au moment où nous parlons, aucun centre de détention qui remonte à la colonie, contrairement à ce qui a été dit. Donc, je pense que ceci mérite d'être élevé. Nous sommes d'accord avec le NDDH sur le problème de la prison préventive. Plusieurs tentatives ont été faites pour répondre à ce problème. Malheureusement, les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est le système même qu'il faut changer, qu'il faut résoudre, car on a créé de temps en temps des task force sur les gens qui sont en prison. On a libéré beaucoup de gens. 3 mois après, les prisons se remplissent parce qu'il y a des gens qui sont poursuivis par les différents auxiliaires de justice, y compris le cabinet d'instruction. Au fur et à mesure que des plaintes sont portées, et je fais la remarque, même l'Organisation des droits de l'homme demande l'arrestation de gens. Donc en même temps, on est contre la prison préventive, mais on demande l'arrestation de gens qu'on prétend être des criminels, et alors que le principe devait être, et on n'arrête pas, l'arrestation devait être le dernier recours. Il fallait simplement que les victimes portent plainte, qu'une procédure soit engagée jusqu'à ce qu'on aboutisse à une condamnation. À ce moment-là, la prison serait normale. Mais récemment, on a vu l'association L'Ordre professionnel des avocats exiger la révocation d'un commissaire de gouvernement qui a refusé d'arrêter parce qu'il y avait un incident avec des avocats. On demande l'arrestation du commissaire de police et d'autres policiers. Et puisqu'on a dit, mais c'est une affaire, un simple délit, on va au tribunal, etc., il y a une grève jusqu'à présent qui paralyse l'ensemble du système parce qu'on veut la révocation, parce que le commissaire n'a pas arrêté et les gens. Donc en même temps, on est contre la prison préventive, mais on est en même temps demandeur pour enfermer les gens, pour les arrêter. Donc c'est un problème majeur que chacun estime qu'il faut priver et les gens de leur liberté. Maintenant, 2 causes sont et justifient parfois les prisons préventives. Lorsque le juge d'instruction est saisi d'un dossier, la personne est arrêtée et mise en prison, et les ordonnances sont suivies d'appel ou de pouvoir en cassation, et même les décisions de justice sont attaquées, ce qui représente le mécanisme de droit accordé. Pendant tout ce temps, la personne est en prison préventive et donc on n'a pas pour l'instant, dans l'état actuel du système tel que nous l'avons, et on peut regarder toutes les sources de ce droit, que ce soit en France ou ailleurs, et le système du juge d'instruction est un système, et malgré la mise en place des mécanismes de juge des libertés, on a toujours des situations avec beaucoup de gens qui sont en prison préventive. L'État haïtien a pris beaucoup de mesures parce que nous avons constaté que très souvent, les gens sont en prison parce qu'ils n'ont pas d'avocat. Et l'État haïtien a pris une loi pour créer le bureau d'assistance légale, pour permettre aux gens qui n'ont pas les moyens d'obtenir l'assistance d'un avocat capable de les encadrer, de les aider dans les démarches qui sont en cours pour défendre leurs droits. De même, l'État haïtien, dans sa démarche pour résoudre le problème de la prison préventive, a tenté de mettre en place un ensemble de processus de vulgarisation de la loi qui permettent à ces gens de pouvoir solliciter et obtenir l'assistance de ces avocats. Maintenant, on a 2 problèmes qui méritent des solutions et que l'État haïtien est en mesure, dans ses démarches, d'apporter des solutions plus ou moins rapides. Mais, comme je disais tout à l'heure, les task force qu'on a mis en place au niveau du pénitencier national
dans certains centres d'incarcération avec des commissaires de gouvernement et des juges pour entendre immédiatement et libérer les gens, mais il y en a qui le mois suivant recommencent. Alors, la mesure qui a été prise, et le ministre de la Justice vient de sortir une circulaire adressée à tous les chefs de juridiction pour que on respecte les principes élémentaires, notamment quand quelqu'un est arrêté, qu'immédiatement un tribunal soit saisi, qu'on n'envoie pas en prison, mais qu'on emmène directement la personne par devant un juge, et le juge devra décider si les faits sont pertinents, et donc si la personne mérite et une condamnation, on condamne, et si on estime que les faits ne sont pas prouvés, la personne obtient sa libération immédiate. Donc ces mesures sont en cours, et il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, le ministre de la Justice avait convoqué tous les chefs de juridiction, et les instructions ont été passées pour que ces décisions soient mises en œuvre. Donc l'État haïtien essaye la mesure de ses possibilités, mais comme j'avais dit, la société haïtienne, elle est ce qu'elle est. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'adresse connue. Quand il y a une infraction, ils sont arrêtés soit en train de casser les vitres des véhicules ou commettre des infractions. Comme il n'y a pas d'adresse, la plupart n'ont même pas de référence précise. Donc, le mécanisme a été de mettre en prison. Donc, il y a des solutions qu'on est en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a des mécanismes de solutions par rapport à l'emprisonnement? Mais jusqu'à présent, le principe est que certaines personnes, on n'a pas les moyens d'obtenir, quand ils sont convoqués à la justice, qu'ils puissent être présents. Et donc, on est obligé parfois de le mettre en prison. Maintenant, les audiences criminelles ont été multipliées, que ce soit au niveau des juridictions criminelles ou correctionnelles, pour qu'on puisse entendre le maximum de gens condamner ceux qui doivent être condamnés. L'objectif du gouvernement est de faire en sorte que le ratio entre prison préventive et des gens qui sont condamnés devrait être d'environ 20% de non-condamnés et 80% de ceux qui sont en prison devraient être des gens condamnés pour pouvoir résoudre ce problème. Merci. Merci. Le volet qui nous concerne ici, c'est les conditions de détention qu'a mentionné la représentante de la RNDDH. Nous sommes conscients et nous vous remercions d'avoir mené une enquête autour de cette situation qui malheureusement ne reproduit pas exactement la situation actuelle. Vous avez mentionné que les détenus ne sont pas séparés par âge. C'est-à-dire que nous avions des garçons et des hommes ensemble, des filles et des femmes ensemble, telles que vous le dites là. Mais dans la pratique, les garçons sont séparés des hommes. Peut-être les conditions de détention ne sont pas les meilleures, mais dans tous les centres de détention, les garçons ne vivent pas dans la même cellule que les hommes. Il en est de même, vous savez très bien qu'à Port-au-Prince, nous avons à Delma 33 le centre de détention pour les garçons. C'est un centre qui n'accueille pas les hommes, mais seulement des garçons. Si vous allez à Cabaret, vous allez voir que les filles ne cohabitent pas avec les femmes. Ils vivent dans le même bâtiment, mais elles sont séparées. Dans toutes les juridictions, il y a cette séparation. Peut-être les conditions dans lesquelles ils sont détenus ne sont pas ne sont pas appréciables. Mais, en fait, il n'y a pas de garçons et d'hommes, ni de filles et de femmes qui vivent ensemble dans les mêmes cellules. Ça, c'est une situation passée. C'est vrai, vous dites que dans les prisons, il n'y a pas assez de lits. Cette situation, nous l'avions constatée et le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour solutionner ce problème. A-t-elle enseigné que le 3 décembre,
on a distribué des matelas, des gants et des bottes. Les matelas, c'est pour les prisonniers. Les gants et les bottes, c'est pour les gens qui nettoient les toilettes, toutes les choses qui peuvent encombrer la prison. Donc, ça s'est passé le 3 décembre. Des gants et des bottes ont été distribués, des matelas ont été distribués. Peut-être au moment où vous aviez mis et vous avez effectué cette enquête, il y a vraiment une insuffisance et vraiment intolérable. Mais on a fait des efforts pour essayer de remédier à cette situation. Pour la ration alimentaire, c'est vrai, vous connaissez notre situation économique en Haïti, que on n'est pas à même de nourrir convenablement nos prisonniers, mais nous avions fait des efforts parce que au cours du mois de l'année 2017, nous avions entrepris de produire de la camille, qui est une substance et vitaminée et destinée à être distribuée aux prisonniers. C'est vrai que c'est pas suffisant, mais il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Et mais, il y a... Disculpe, estamos ya sobre el tiempo y quisiera rogar que si nos da sus palabras finales. Oui, il y a des efforts que le gouvernement a fait. Il a produit des matelas pour et combler les vides en lit. Il a augmenté l'alimentation avec de la camille et du mamba. Et pour les soins de santé, on a fait venir les médecins. Les médecins, c'est vrai, il n'y a pas de médicaments suffisants, mais on fait des efforts pour combler le vide. Et merci. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ces débats pourront apporter des solutions, parce que la délégation est là, c'est justement pour trouver des pistes de solutions, parce que nous ne vivons pas dans un monde parfait, mais quand même, nous devons apporter des conditions de vie favorables pour les prisonniers, défendre leurs droits. Merci, et nous sommes ouverts aux questions, aux suggestions, commentaires, et merci encore pour l'invitation. Gracias a usted, ministra. Quiero darle en primer lugar la palabra a mi colega, la comisionada Flavia Pivasan, quien es relatora para Haití. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo muy especial a la sociedad civil, su representación, al Estado, también las autoridades, ministra, las autoridades. E valorar este momento como um momento construtivo, ¿no? De acercamento, de diálogo sincero, transparente, em la búsqueda de soluções e impulsar la agenda em Haiti de proteção dos direitos humanos. E aqui tomo a liberdade de fazer uma solicitud como relatora país da importância de receber por parte de Haiti para nós de la comissão, seria muito importante uma invitação para uma visita ao país ou quizás para uma sessão em Haiti. Eu penso que a presença da comissão poderia intensificar a cooperação internacional para mover a agenda dos direitos humanos. Então, aqui me solicito em nome da comissão. Três pontos. O primeiro ponto se refere a la cultura de yo soy de Brasil, en Brasil también tenemos el reto de la cultura del encarcelamiento. Tenemos la tercera población carcelaria del mundo. Y tenemos un problema también que Haití presenta con relación al número, ¿no? De personas como, ¿no? El Estado reconoció 20%, 80%, ¿no? O ideal seria 20% de pessoas detenidas provisoriamente e 80% com condenas definitivas. Mas não é o que temos. Temos quase 80% de pessoas privadas de liberdade, mas a título provisional, sem uma condena definitiva. E, ao menos, a experiência que eu tenho em la região é que a cultura do encarceramento tem como consequência a superpopulação carcerária, a sua vez, tem por consequência a debilitar processos de reabilitação, de reinserção, que a sua vez também culmina em mitigar, em comprometer o tema de
el tema de la reincidencia. O sea, el sistema se autonutre porque con la superpopulación tenemos la imposibilidad de una reinserción, de la rehabilitación, a probabilidad de reincidencia, y ahí tenemos un círculo que se retroalimenta. Entonces, me gustaría preguntar las medidas efectivas tomadas por el Estado reaccionando a la cultura de encarceramiento. La segunda, como relatora también para la temática LGBTI, nos preocupa también a conocer, tener el diagnóstico preciso de la población carceraria, de los detenidos, niños, niñas, mujeres, población LGBTI, las personas LGBTI, en medidas específicas, ¿no? Hay el tema de la separación, o sea, cómo conferir una política específica para esos grupos que sufren también una vulnerabilidad específica. Y finalmente, el tema de la transparencia del sistema, o sea, si hay una institucionalidad para esto, el relator sobre la temática de las personas privadas de libertad, con mucho más expertise que yo, solamente planteo este tema sobre la transparencia del sistema y una institucionalidad para prevención, combate y erradicación de la tortura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, comisionada. Le doy la palabra ahora a la relatora especial, García Muñoz. Muchísimas gracias. Señor presidente y a la comisión por darme la oportunidad de participar en esta importante audiencia que refleja también varias de las inquietudes del mandato que tengo a cargo en la comisión. Por un lado, señalar que a fines del año pasado la comisión publicó su primer informe en casi 60 años de historia sobre la cuestión de la pobreza y los derechos humanos. En ese informe hay menciones y hallazgos muy importantes que hacen también a la conexión entre la pobreza y la privación de libertad. Y me gustaría mucho escuchar a ambas partes en relación con ese vínculo entre pobreza y privación de libertad en Haití y hacer un llamamiento especial al Estado a que tenga en cuenta las recomendaciones que se desprenden de ese informe en relación a los derechos sociales y ambientales de las personas privadas de libertad. Nos han puesto sobre la mesa algunos temas que son de especial preocupación para el mandato, la cuestión de la alimentación, la cuestión de la salud. También yo quisiera escuchar sobre la cuestión del empleo y la cuestión de la educación de las personas privadas de libertad en Haití. Y igualmente quisiera escuchar en esta diferenciación de la población carcelaria en hombres y mujeres y tomando en cuenta también las recomendaciones de ese informe sobre pobreza y derechos humanos, si hay alguna política con perspectiva de género que se esté implementando, por ejemplo, para abordar el tema de la prisión preventiva de mujeres con hijos a cargo. Y finalmente, tomando en cuenta que Haití firmó en el 17 de noviembre del 88, el protocolo de San Salvador a la Convención Americana, que este año está cumpliendo su 30 aniversario, quisiera preguntarle a la delegación de Haití si hay alguna iniciativa en marcha para ratificar ese protocolo y también como integrante del grupo de trabajo del protocolo de San Salvador, en nombre de la comisión, ponernos a disposición de Haití con ese propósito, porque sería muy importante que un país como el suyo, en el que la cuestión de la pobreza tiene tanta relevancia que hasta su propio Ministerio de Derechos Humanos también integra ese nombre, pueda avanzar en esa dirección. Muchas gracias. Gracias, Flavia. Solamente un segundo para expresar mis disculpas públicas por el retraso involuntario y una vez más el compromiso de la comisión de estar con Haití en el avance, fortalecimiento de los derechos humanos, sobre todo la sociedad civil, mis disculpas públicas. Gracias, Flavia. Me toca mi turno en mi carácter de relator para personas privadas de la libertad. Y quiero empezar por agradecer a los peticionarios por traer este tema a la atención de la Comisión Interamericana. Un 75% de personas en prisión preventiva es el número más alto que existe en toda la región y esto refleja una problemática estructural que tenemos que abordar. Ya mi colega, la comisionada Pio Bezán,
hizo este, señaló este vínculo entre un alto número de personas en prisión y lo que trae como consecuencia condiciones de hacinamiento. Pero tenemos que regresar a lo básico. Y lo básico es hacer valer el principio de presunción de inocencia. Ese debe de ser el punto de partida a partir del cual tenemos que ir construyendo una política penitenciaria. Las personas deben de estar en prisión por excepción, no como una regla general, primero por un derecho humano reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, pero también porque en el uso excesivo de la prisión preventiva se generan condiciones inhumanas de reclusión y entonces el Estado falta a su obligación de trato humano frente a las personas que se encuentran privadas de la libertad. La Comisión no ha estado ajena a la problemática en Haití. Ya en el año 2005, la Relatoría de Personas Privadas de Libertad visitó Haití. Más adelante, en el año 2007, en una visita que hizo la Comisión, un punto central del informe fue precisamente las personas privadas de la libertad. Y creo que esta es una oportunidad para que volvamos a examinar el tema de fondo. Ha habido algunos avances en la normativa interamericana desde la última visita de la Comisión a Haití. El más importante tal vez es el hecho de que la Relatoría para Personas Privadas de la Libertad ha estudiado de manera profunda la problemática de las personas que se encuentran en detención preventiva, porque este es un problema que aqueja a toda la región. Más recientemente, en el año 2017, la Comisión publicó dos informes, uno sobre medidas alternativas a la prisión preventiva, junto con un segundo que es un manual para la implementación. Entonces, aquí hay algo, una hoja de ruta que creo que podemos empezar a seguir, que tiene que ver con un análisis de la prisión preventiva en Haití como una manera de ir empezando a sacar este hilo de esta gran madeja. Cuando empecemos a examinar las causas que están ocasionando una prisión preventiva tan alta, tenemos que buscar entonces algunas soluciones. Y la primera, y tiene que ver con el principio de presunción de inocencia, tiene que ver con el catálogo de delitos que son inexcarcelables. Ahí es donde tenemos que empezar a hacer un cuestionamiento de la política penitenciaria. Y a partir de ahí, ver mecanismos alternativos. Un tema distinto, importante, el de las condiciones de detención. Y aquí hay que ser muy realistas. En todo el continente existen condiciones preocupantes y está muy vinculado a las capacidades económicas del Estado para poder atender las necesidades básicas de la población. Eso quiero decirles a ustedes que en la Relatoría somos los primeros en reconocer esta problemática y estas limitaciones. Pero sí es muy importante estar resaltando permanentemente este tema para que por una cuestión humanitaria atendamos a esta población, tal vez la población más invisibilizada de un país. Lo sabemos muy bien. Nadie quiere abordar esta problemática. No conozco un solo caso de un político que haya hecho campaña para proveer mejores condiciones a las personas privadas de la detención. Todo lo contrario. Hoy en la narrativa, lo que se promueve es el tema de la seguridad del encarcelamiento. Y aquí continuamos este círculo vicioso. Y si entramos a examinar quiénes son las personas que se encuentran en detención preventiva, yo puedo asegurar que hay un buen número de casos de personas en donde no existen indicios para considerarla peligrosa.
La falta muchas veces que se le acusa es menor, y existen también a veces situaciones de pobreza que son las que llevan a las personas a cometer un pequeño hurto, y que eso se traduce en una prisión. Es una problemática muy compleja, no es ajeno a ninguna parte de nuestra región, pero sí el número tan alto, 75%, cuando el promedio regional es del 40%, nos refleja que hay un problema estructural. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer de ahora en adelante? Y esa es mi propuesta. En primer lugar, reitero lo ya expresado por la comisionada Pio Besan, de una visita país a Brasil para ver Haití. Venimos de Brasil, donde también vimos prisiones, una visita a Haití, en donde habrá un componente de personas privadas de la libertad, pero independientemente de eso, dentro de una visita país o una visita separada, yo me pongo a la disposición, atendiendo este llamamiento que nos hace la sociedad civil, me pongo a su disposición para hacer una visita de trabajo de la relatoría a las personas privadas de la libertad en la primera oportunidad. ¿Y cómo me imagino que debe de ser esa visita? Esa visita tiene que estar diseñada a generar recomendaciones de utilidad para ustedes. Ese es un primer punto. El segundo, me gustaría también saber si existe cooperación internacional de algunos organismos que puedan atender la situación de las personas privadas de la libertad en Haití. Es un tema que, ya hablaba de su invisibilidad, pero afortunadamente hay organismos internacionales y organismos no gubernamentales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asociación para la Prevención de la Tortura y otros mecanismos que yo creo que también podríamos generar alianzas para poder empezar a abordar esta problemática. Me gustaría saber si han formado alianzas con socios que ayuden a Haití para que le dé un giro. A mí lo que me gustaría es que a partir de números tan altos, empezar a establecer una hoja de ruta, a establecernos a nosotros mismos metas y que empecemos a ver una reducción de la prisión preventiva, que estoy seguro generará mejores condiciones de tratamiento. Perdón por esta exposición tan larga, yo mismo violé mis propias reglas del tiempo, pero me parece que el ambiente lo ameritaba, la franqueza de la sociedad civil, también la apertura y transparencia de las autoridades del Estado lo ameritaba. Vamos a darle 5 minutos a los peticionarios, 5 minutos al Estado. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le RNDDH a suivi avec attention les informations qui viennent d'être fournies par l'État haïtien et le RNDDH se fait un plaisir de partager avec vous certaines informations par rapport à cela. D'abord, nous prenons le soin de souligner aussi à votre attention qu'en 2013, le RNDDH avait déjà sollicité et obtenu une audience auprès de la CIDH sur la détention et l'État haïtien qui était alors présent s'était déjà engagé à intervenir pour améliorer les conditions de détention et travailler sur la détention préventive prolongée. Deuxièmement, je souligne à votre attention qu'effectivement, il y a plus de 37% des prisons en Haïti qui sont dans un état vétuste et, comme je l'avais déjà souligné, certaines de ces prisons datent des temps de la colonie. Par exemple, il y a la prison civile de la Grande Rivière du Nord, la prison civile de Port-de-Paix, une partie de la prison civile de Saint-Marc, surtout la partie où se trouve l'administration même de la prison. Donc, ça veut dire que c'est une prison qui, en fait, met en danger la vie des agents pénitentiaires qui y travaillent. C'est même pas les prisonniers dans cette prison qui sont en danger. Et c'est aussi la même chose pour la prison civile de Fort-Liberté 1, l'ancienne prison qui est encore utilisée pour garder les personnes en détention. Le RNDDH est en train de
combattre la détention préventive prolongée. Pas la détention en elle-même, mais la détention préventive prolongée. Comme je l'avais déjà souligné dans notre présentation, la détention préventive prolongée à partir de 4 mois, elle devient illégale et arbitraire. Et tout à l'heure, j'ai souligné le cas de 814 détenus qui sont incarcérés entre 2004 et 2016. Et parmi ces 814 détenus, donc, je veux que vous compreniez qu'il y a certains détenus donc qui sont en prison depuis 14 ans et qui attendent que l'État, que les juges, que les magistrats qui travaillent sur leur dossier décident s'ils iront en justice pour être jugés ou s'ils iront chez eux, parce que leurs dossiers sont encore par devant les autorités judiciaires. S'il n'y avait pas autant de personnes à être en détention préventive prolongée, le RNDDH estime que l'État haïtien aurait été en mesure de prendre soin convenablement des personnes privées de liberté. C'est parce que justement, toutes les ressources de l'État haïtien sont utilisées pour prendre soin de 75% des personnes qui peut-être n'ont pas leur place en prison aujourd'hui. La loi sur l'assistance légale que vous avez mentionnée a effectivement été votée au cours de l'année judiciaire qui vient de s'écouler. Cependant, nous prenons le soin de souligner à votre attention que cette loi n'est pas suffisante pour venir à bout du problème de la détention préventive prolongée. Il faut qu'il y ait la volonté des magistrats. Les commissaires du gouvernement, les juges d'instruction doivent s'engager à respecter les délais qui leur sont impartis pour travailler sur les dossiers qui sont distribués par devant eux. Il en est de même. Vous avez souligné les audiences criminelles qui sont intensifiées. Le RNDDH prend le soin d'attirer votre attention que par année, l'État haïtien, les audiences sont organisées pour environ 500 personnes, ce qui est carrément insuffisant quand nous savons, par exemple, qu'il y a 8800 personnes qui attendent d'être jugées et que des audiences criminelles ne sont organisées que pour 500 personnes. La séparation par âge, effectivement, par âge et par sexe, se fait effectivement dans les prisons civils qui sont localisés dans le département de l'Ouest. Nous sommes très au courant de cela. Il y a une prison civile qui est affectée aux femmes et aux filles, d'ailleurs, il faut le souligner. Les filles, donc, se retrouvent dans la même prison que les femmes. Et deuxièmement, on sait aussi qu'il y a un centre de rééducation en conflit avec la loi pour les mineurs qui, en fait, je profite de votre présence pour le dire, qui n'a de centre de rééducation que le nom, parce qu'en fait, c'est une prison que c'est. Et on sait qu'à ce centre-là, ce sont des garçons qui y sont incarcérés. Cependant, dans les villes de province, les garçons sont incarcérés dans les mêmes cellules que les hommes. Et les femmes sont incarcérées, les petites filles sont incarcérées dans les mêmes cellules que les femmes. Parce que, écoutez, à cause de ce problème d'espace qu'il y a dans les prisons, par exemple, dans une prison en province, s'il y a 2 filles seulement qui sont en détention, on ne va pas mettre une cellule pour accueillir seulement ces 2 filles. Enfin, nous pensons que si l'État haïtien et le RNDDH n'arrivent vraiment pas à s'entendre sur les informations sur la prison, bon, en tout cas, je peux comprendre que sur certains points, on se retrouve, mais pas sur d'autres points, eh bien, c'est donc l'opportunité, justement, d'accepter qu'effectivement, qu'il y ait une visite in loco qui pourra, par exemple, comme viennent de le souligner plusieurs membres d'ailleurs de la commission, statuer sur les conditions générales de détention en Haïti. Merci. Tiene la palabra la representación del Estado de Haití. Avec votre permission, je crois que nous allons demander, faire une offre précise à NDDH. Et je dois dire que pour l'année 2017-2018, on a environ 1300 dossiers traités, donc près de 1800 personnes jugées, dont 585 libérées. Donc, comme on a entendu parler de des gens en prison pendant 14 ans. Nous demandons à NDDH de nous communiquer. Nous allons ensemble travailler pour pouvoir adresser ces problèmes précis et voir pourquoi ces gens sont en prison, quels sont les problèmes et y apporter des réponses immédiatement parce que nous sommes tout à fait d'accord que l'État doit travailler avec la société civile pour adresser certains problèmes qui se posent parce que nous admettons qu'il peut y avoir des déficiences dans certains cas et je crois travailler ensemble permettre de donner des meilleures réponses par rapport aux problèmes. Donc nous lançons cette invitation à la société civile de nous communiquer, de travailler avec nous sur les cas dont ils soulèvent pour qu'on puisse trouver des solutions immédiatement.
Nous avons essayé ces derniers temps de multiplier les audiences. Nous avions travaillé jusqu'au samedi, du lundi au samedi. C'est pour essayer de dépasser le nombre de gens qui ont été jadis jugés. Donc, nous sommes conscients qu'il faut déployer plus d'efforts. C'est pourquoi même le samedi, n'était-ce les moments de grève, nous aurions été plus en avant avec la solution du problème de détention préventive prolongée. Donc, nous allons continuer à multiplier les audiences pour pouvoir diminuer de manière significative le nombre. En ce qui a trait au protocole de Salvador, en effet, Haïti l'a signé, mais le Parlement ne l'a pas encore ratifié. Alors, du côté du pouvoir, on peut dire exécutif, nous avons fait ce qu'il fallait, mais il faut dire aussi qu'il y a un effort au niveau du Parlement, parce que cette année, par exemple, plusieurs projets de loi, avant-projets de loi, il y a eu une collaboration avec le gouvernement pour que dans la liste des projets de loi, plusieurs documents ont été ratifiés, et plus d'une centaine. Alors, encore cette année, nous attendons la réouverture de la session en janvier prochain pour soumettre différents documents, notamment, par exemple, on peut dire aussi que on va souligner à votre attention que nous avons déjà ratifié le pacte sur les droits civils et politiques de l'ONU, et ce qui montre également la volonté du gouvernement justement à se pencher et à faire respecter les droits civils et politiques. Pour la visite, justement, nous attendions cette visite le mois dernier, en octobre dernier, mais malheureusement, c'était par rapport à la situation politique et d'agitation qu'il y avait en Haïti, mais c'était en octobre dernier, nous avons eu le 17 octobre et pas mal d'agitation, de situation sociopolitique, mais c'est pas qu'on ne soit pas ouvert ou qu'on ne veuille pas avoir cette visite, mais quand même nous devons nous assurer que cette visite in loco se fasse dans les normes et de façon, si je peux dire, rassurante. Alors, nous attendons encore une demande, nos formelles, pour qu'on, ensemble avec le gouvernement, qu'on puisse voir quel serait le moment idéal propice pour cette visite, et nous nous en excusons pour la situation qui n'a pas permis justement cette visite d'avoir lieu. Mais nous attendons encore et nous sommes très ouverts. Merci. Et muchas gracias. No sé si mis colegas quisieran hacer algún punto final, sino yo quiero agradecer muchísimo tanto a los peticionarios como al Estado por este diálogo tan franco. Creo que hay que empezar por reconocer los problemas, como aquí se ha hecho, y a partir de ahí empezar a generar soluciones. El rol de la Comisión es el de apoyar a los Estados. Tenemos un rol complementario. Y seguiremos buscando las fechas idóneas para hacer una visita in loco, visita que tendrá ciertamente un componente relativo a las personas privadas de la libertad. Mientras tanto, invito a que continúe este diálogo. Ojalá esta reunión haya permitido un acercamiento entre la red y el Estado, y hacemos votos para que continúe este diálogo productivo. Muchas gracias. Buenas tardes.